Sentiment vous avez ce soir? C'est sûr qu'on est déçu du résultat. Après les garçons dans l'attitude, ils ont répondu présent. Maintenant, il nous a manqué techniquement. On n'a pas été assez juste dans les 30 derniers mètres. Et après voilà, quand on prend deux buts comme on prend alors qu'on les bosse toute la semaine. Voilà, il faut que ça serve de leçon aux garçons pour essayer de gommer ces erreurs-là. Mais bon, c'est dommage de perdre ce soir parce que voilà, c'est pas une équipe qui nous a mis plus en danger que ça, à part les 10 dernières minutes où on sort un peu plus. Après, il y a des boulevards qui se créent, mais sur les 80 premières, je crois qu'on fait jeu égal et voilà, c'est comme ça. Le tournant, c'est un peu le début de deuxième mi-temps. Vous avez vraiment trois belles situations comme occasion. Ouais, celle qui file le long du but, si on sent un peu le coup qu'on se jette, il y a but, ça change le match. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire d'un match. Mais je reviens sur ce que j'ai dit aux gars. Si on veut sauver, si on veut avancer, on n'a pas le droit de prendre des buts comme on a pris parce que c'est des choses qu'on a bossé toute la semaine et c'est rageant de ne pas pouvoir avancer sur ce point-là. C'est-à-dire que le sport est un peu retombé dans ses travers, malheureusement. Je ne sais pas si le Sporting est retombé dans ses travers. C'est vrai qu'on a eu une première mi-temps où on a été un peu timide. On a fait un peu le jeu, plus que jeu égal avec Dunkerque. Et puis, je pense qu'on a loupé le coach dans les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps où là, on a des situations. Et puis après, on se fait contrer. On s'est contré et il marque ce but. Alors après, on va dire que dans l'esprit, les gars ont adhéré à tout ça. Après, il y a eu ce petit moment de relâchement. Alors, c'est vrai que... est-ce qu'ils sont retombés là-dedans? Je ne sais pas. On avait l'impression qu'il y avait une prise de conscience de leur part par rapport à ça. Mais bon, après, le jeu demande de faute, forcément. Hein, c'est comme ça que, malheureusement, on prend des buts. Il y a deux erreurs de marquage qui font que, malheureusement, on se retrouve à avoir perdu ce match, quoi. Vous avez assuré l'intérim, normalement il s'achève avec ce match. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive, le nom a été annoncé ce soir. Vous allez faire la transition, vous avez des choses sur ces deux rencontres que vous avez gouvernées, entre guillemets, des messages à faire passer? Nous on va rester. Après, si le coach demande notre avis, bien sûr qu'on va lui donner. S'il est venu pour avoir des infos, bien sûr que parce que c'est notre travail de faire le retour par rapport à ces 10 jours qu'on a passé avec les garçons. Mais bon, ça sera la demande, voilà, ça sera la demande du coach et on s'adaptera par rapport à sa demande à lui, tout simplement.